pire what the fuck, hein. Si non, tu... Vous allez voir ma stratégie incroyable. Par contre, je suis en train de me dire, comme on a pas, comme du côté joueur, on n'a pas beaucoup de team full agi, il y aura beaucoup moins de trucs genre le match Skaven contre qui se lève. Oui. Ou des trucs comme ça, tu as des trucs bien what the fuck. Avec des Hail Mary sortis nulle part, et des What Turn et autres trucs dans le genre. On l'avait pas enregistré d'ailleurs celui-là. Je pense pas. Bah en tout cas, moi je l'ai pas enregistré donc. Ouais. Je sais pas, Visite, toi tu l'as enregistré ? De quoi ? Qui se lève contre. Ah non, c'était Elf. Moi, que non, mais les matchs suivants, je les ai pas. En cas de défaut de paiement, pas de panique, vous serez juste sacrifié à Sotek. Je les ai pas enregistrés en fait. Ok. Il peut lancer le match là. Oui, il peut lancer le match. Je vais donner le signal. C'est parti. Bah bon, bref, de toute façon, ce match là. Enfin, je crois que c'était ça qui se lève contre Elf, mec, c'était n'importe quoi. C'est quoi ça? C'était fou, bullshit. Ça, ce sont les bonus d'avant-match. C'est généralement, s'il y a une. Un premier match. Tu as de l'argent en plus, ou bien quand tu es en infériorité comparé à l'autre équipe, okay, tu reçois de l'argent gratuitement pour pouvoir racheter des nouveaux trucs. Mais basiquement, retiens juste ça. Si le mec a plus de TV que toi, tu auras droit à la thune. Bah, je regarderai quand j'aurai de l'argent, quoi. C'est ça. Tu regarderas quand le mec que tu affronteras sera beaucoup plus fort que toi. Mm-hmm. Honnêtement, pour une ligue aussi petite, ça vaut pas la peine. Ça vaut mieux économiser ton fric pour racheter un joueur ou quoi si. Ouais, remplaçant le petit guerre, surtout quand le petit guerre est arrivé. Moi, oui. Allez, je. Bienvenue, chers amis fans d'espace. Non, et par contre, ça a été pour nommer tes orques. Où tu as vraiment genre pris une petite en rappel. Pas le Wikipédia de l'équipe des Diablo 11. Ah ok. Ça fait sens. Par contre, t'as intérêt à gagner alors. Rajouter beaucoup de Z entre les mots. Mmh. Ouais, enfin t'as quand même intérêt à gagner parce que voilà, ouais, merde, c'est qui pêche quoi. D'ailleurs, la première finale, enfin pseudo-finale de les du match précédent, d'une des coupes précédentes, ça a été KO versus Homme Lézard. Ah, c'est que quand c'était Clint, non, qui a joué Homme Lézard. C'est ça. Clint versus moi, c'était. J'ai oublié ce match d'ailleurs, à part le skink. Ouais, je me rappelle surtout, le seul truc que j'ai retenu de KO, c'était. C'est pas le match de Mark qui le mec qui joue à J, quoi. Moi, je me rappelle surtout le match contre toi, tu avais fait une passe avec ton Minotaur vers tout son Thor ou l'inverse, et tu étais marqué comme ça. Et t'avais moi qui étais ultra celtique parce que je pouvais rien faire. Je crois que c'était avec les Skaven, t'as foutu genre à foutu la moto, qui tout les Skaven, KO, c'était tout sa terre, c'était ta merde quoi. Bruno, pour que tu saches, une passe Minotaur vers un centaure, c'est il faut faire d'office des 6, 2-6 d'affilée. Et je l'ai fait. Ah ok. Ouais, non, et ça m'a fait gagner. Ce truc là, ça ne passe pas. Oh putain, le ballon est bien placé. Oui. Pile là où je comptais attaquer. Ah, c'est vrai que t'as l'avantage de la force. Mais pas déjà. C'est pour ça d'abord les déplacements avant le bashing. Oui, mais j'ai pas. Tu peux relancer. Hein. Oui, mais j'avais pas beaucoup de déplacements à faire quoi. Oh putain. Ok. Bienvenue à Blood Bowl. Prends celui avec le flash, crâne flash. Oui, comme ça, il tombe. Mais c'est fou ça. Bienvenue à Blood Bowl. Ouais. Bon, au moins il est KO. Il y a déjà un KO. Putain, je tourne 5 minutes, il y a déjà un KO. Mais je voyais pas vraiment quel déplacement j'aurais pu faire. Enfin, à part les petits, ramasser le ballon. Mais ramasser le ballon aussi, c'était risqué. Ouais, mais justement, d'abord tu fais les déplacements. Ensuite, tu fais les actions les moins risquées, les attaques les moins risquées, et après tu prends le ballon. L'attaque que j'ai faite là, normalement, elle était pas risquée. Ouais, parce que t'as pas. Oh putain. Ok, ça va être compliqué.
Ouais, il a blitz, hein, un plus un de force. Ouais, non, c'est pas ça, mais basiquement, il a le coup. En tout cas, c'est... Wow. Et celles qui peuvent intervenir sont des skinks. Mais ça commence à taper dur, là. Ah, c'est vraiment bad luck. Ça, je me rappelle toujours, c'était, je crois, contre Guillaume. Où, à un moment, il a réussi à choper le ballon, il était tout autre marqué, il était en train de marquer but. Et avec un gutter runner dauntless, j'ai fait tomber son ballon, je l'ai récupéré, j'ai fait une passe à l'autre bout du terrain et j'ai marqué. Je crois que c'était contre Guillaume. Je me doutais que ça allait se passer comme ça avec des KO dans l'équipe. Hein. Oui. Ouais. Wow, relève tes gars d'abord. Ouais, attention, peut-être pas celui-là parce que lui va pouvoir aider à dégager un dégât. Ah oui, c'est que je fais un bis. Ouais, par contre, relève, ouais, ceux qui sont en contact, relève. Alors, ce que je te conseillerais, écoute bien. D'abord le déplacement. D'abord le déplacement. Tu vas relever ton. Tu vas blitzer avec ton mec à terre et défoncer le gars qui est au contact de ton skink. Comme ça, ouais. Ça va libérer le skink et tu vas envoyer un skink récupérer le ballon. En fait, l'idéal c'est de protéger tes skinks. Ouais, flash. Voilà. Dès que tu as fait ça, t'en fous. Tu vas te coller à l'autre. Au mec qui est à côté. Donc là, tu as la case moins 1. Tu vas là. Comme ça, ça va au moins faire chier l'autre. Et tu ramasses les 15 skins. Pour sécuriser. Bah, je te conseille. D'abord déplacer l'autre skink. Ouais, c'est tout. Ramène tes skinks en avant. Ouais. Il va peut-être taper un autre skink à côté du Storus. Ne fais pas complètement backseat gaming. Hein, ça, oui, voilà. Laisse un petit peu voir pour. Ouais. N'hésite pas à entourer le ballon histoire d'être sûr que même si tu arrives pas à le prendre, il y a des chances que tes coéquipiers le récupèrent. Ouais. Je te conseille de ramasser avec celui qui est le plus près, comme ça lui il peut faire un mouvement par après, tu vois. Ah bon? Il a dodge, donc il peut. Tu dois pas claquer un reroll. Enfin, il y a un reroll automatique si il dodge. Et qui est gratuit. Putain, ça court tellement vite, c'est un petit truc. Pour ramasser le ballon. Enfin, Yaka. Ah, j'avoue. Il y a moyen de faire le truc. C'est très futé. Et maintenant, il y a moyen de. 67% d'esquive, ouais. Putain, comment le retournement de situation, quoi. Et voilà, maintenant tu peux bâcher comme tu veux. C'est bon, il y a Minotaur qui est genre. Isolé. Enfin, isolé, en tout cas, qui a pas. Le Minotaur est isolé. Ah, si tu veux optimiser ton bashing avant de taper avec attends, avant de taper, tu as ton Taurus qui est libre. Soit tu vas le taper en escorte, soit tu vas le taper à côté du Minotaur pour avoir un dé en plus. Donc ça c'est. Ouais. Par contre, si tu le tapes à côté du Minotaur, tu auras plus d'un en force qui donnera l'avantage pour taper dessus. Après, c'est pas dans la zone rouge, c'est... Oui, dans la zone rouge, je suis occupé par un autre ennemi. Ouais. Je vais plutôt l'utiliser comme escorte. Genre là. Là c'est bien. Jouer, c'est bien. Et ouais. Lui, bah c'est le dernier truc que j'ai à faire, donc allons-y. C'est risqué. Ça valait la peine. Ouais, ça valait la peine. C'était risqué, mais ça valait la peine. Crochet droit. T'as peut-être du suivre par contre. Et le bovin qui. Ouais, pour être au corps à corps, comme ça en fait. Un truc à savoir, c'est comme. Je sais pas si t'as vu, mais ton lézard. Enfin, ton Croxigore. Les big guys. Les big guys, ils ont. Attends, non, c'est pas ça ce que j'ai dit, mais il a une queue proactive, je sais plus comment on appelle ça. En gros, ça va empêcher. C'est extrêmement chiant de se casser du contact d'un game comme ça. Putain. Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'en-but est en vue. C'est ça. Le porteur du ballon est là sur un bas. Ouh, c'est le pire volé là. Oh putain, c'est tu. Et...
Après, tu veux dire, maintenant, c'est vrai que ton Croxigor... Il a combien de mouvements, ton Croxigor? 6. 6. Ah, c'est vrai, il pourra intervenir, en fait. J'ai fait ça pour qu'il puisse bouger. Par contre, c'est risqué de bouger avec sans attaquer. Parce que ils ont, les big guys ont des, toujours des trucs dumb, etc. Donc il y a des risques de qui ratent par action. Mm. Ouais, là franchement, c'est l'optimisation pas chic là qu'il va falloir faire. Ouais, je vois plus ou moins comment faire. Tu peux ramener un Saurus, tu peux ramener un bête Skink pour avoir en plus un. Ouais, sur les gars que tu voulais taper. Les mouvements d'abord. On lui pète un 15 plus vite, ça. Tu peux relever, il peut relever son Saurus qui est à côté de Minotaur. Ah ouais, le Saurus est à côté de Minotaur. Ouais. Ah, par contre, t'aurais pu laisser ton Skink PC. Parce qu'en fait, ah non, c'est bon ou Esquif qu'il a? C'est Esquif qu'il a. Ok. Oh. Ah bah en fait là, si tu blitzes avec lui, tu ne pourras pas blitzer le gars qui est le ballon. Ouais, là tu te concentres trop sur ceux qui sont autour et pas assez sur celui qui a le ballon. Toujours penser que l'IA risque de se barrer avec le ballon de manière complètement imprévisible. Parce que ton Croxigor, c'est aller choper le porte-ballon C'est trop risqué là. Ouais, non, ah oui, ah non, j'étais dans la zone. Ouais, l'esquive, bah oui. 33%, j'ai pas envie d'utiliser le carte. J'ai plus fait attention que j'étais dans la zone de tac en fait. Là il va passer sur la droite. Ouais. Ouais, tu fais ça. Le ballon est en sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire. Ouh, ça pue. Il y a dodge, hein. Les skins qu'on dodge au moins. Ouais, il est dodge, mais même, c'est quand même super dangereux, quoi. C'est hyper dangereux, mais il... Parce qu'à 3D, il serait facile d'avoir un flash. Hein? What? Ah, bah oui, parce qu'en fait, il a pushé, donc maintenant, il y avait une zone d'attaque. Ah, c'est con. Par contre, si tu touches pas ton Croxigor, en prochain tour, tu vas pouvoir croquer du... la chèvre. Quel goût ça a, la chèvre? Alors, ça peut pas être trop mauvais. Je pense, il me semble que c'est très. Le coup est très fort. Pas en première action. Bah, relève peut-être son Saurus. À part ça, ouais, effectivement. Sinon, est-ce qu'il y a une action plus intéressante à faire ou... Ah, lui, il peut passer tranquillement. Et le rapprocher. Ah, c'est tout. Ouais, c'est un peu juste. Au Lupex, si tu attaques avec ton Croxigor, il aura l'avantage d'avoir la force. Hein. Donc, t'es pas forcément perdant. T'es pas obligé d'avoir dans les renforts quand c'est une Croxigor. Je vais le match, la mi-temps. C'est parti. Salut. Oh putain. C'est pas la mi-temps du tout. Quoi qu'est-ce qui s'est passé? Il va faire relance, ton big guy est trop con, donc soit tu utilises ta relance pour qu'il attaque ou pas. Ah, ok. Mais il a suite terre là. Oh putain. Ah, la bête le com. On dirait qu'il bouge. Ah non, pardon. Alors, généralement, c'est déconseillé de relancer sur un solitaire. Ouais. Voilà. Oui, mais j'ai. Oui, mais... c'est des trucs que je sais, mais j'ai. Non, mais... Attends. On dit que c'est déconseillé de le faire, mais on l'a déjà tous fait et on a déjà tous regretté de l'avoir fait. Oui, on fait tout le temps. Et puis, la VSTMATION dans la qualité, c'était le truc logique à faire. Tu verras dans nos matchs à nous,
qu'on le fera aussi sûrement. Il y aura le big guy qui va merder, on va pas chez... essayer de relancer. Pas chez moi. Parce que j'ai pas de big guy. Ouais, les big guys aiment bien encore un nombre de fois que, qu'on l'a fait sans faire exprès. Mmh. Ah, le plus frustrant, c'est quand tu fais ça sur un remplaçant. Ah ouais, le... parce que... Putain, moi, sur les remplaçants, par contre, j'ai fait ça chier de fois, quand même. Les remplaçants, ce sont des persos gratuits, mais ils ont aussi l'honneur. C'est en fait quand t'as des pertes que tu peux remplacer. Non, évite de faire des esquives dans les zones de tacle. Oui, oui. Après, c'est skink, après, c'est un skink, donc... justement, parce que c'est un skink. Non, justement, il a deux bonus pour ce genre de truc. Hein. Honnêtement, les skinks, c'est comme les Cutter Runner, ça se tente. Ouais. Les skinks... Par contre, si ils sont blessés, ils risquent d'être encore plus blessés que tes autres joueurs. Mais niveau esquive, ils peuvent esquiver beaucoup. Ah, ce que tu sais, c'est plus de quelqu'un, ouais, non, je comprends. Ils ont leur... Il a claqué son blitz. Il a déjà claqué son blitz. T'es sûr? Bah, regarde, ouais, le proxy. Ouais, mais c'est le même, le truc s'est pas déclenché, donc je suis pas sûr. Bah, il a claqué son blitz dans le vide. J'espère que le coach a fait tout ce qu'il voulait, parce que c'est à l'autre équipe de jouer maintenant. Ouais, c'est un bon trade, ce qui est top, ouais. C'est un gros baptême du feu, un premier match contre le KO. Non, mais c'est littéralement une des équipes les plus fortes du jeu, donc... Ouais, non, les KO ils sont très c'est puissants. Comme voler un oignon. Et encore là, ça va. C'est un KO multi-TV. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas de... ouais, mais Julien, il n'y a pas de centaure, tu vois. C'est trois relances, je viens de voir. Oui, les relances reset à la mi-temps. Ouais, à la mi-temps, ouais. Ouais, mais encore 4 trucs sans relance et lui il en a encore 3. Ça, là, j'avoue que ça va être compliqué. Thaïs. Même les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté. Ouais, il a aussi claqué un solitaire. Tu peux tenter de libérer l'un de tes saurus qui est sur la gauche. Mm-hmm. Attends, deux secondes un petit peu. Je pense que le Minotaur il a pas perdu sa zone de tacle à cause d'Animal Sauvage. Si, justement. T'es sûr que Animal Sauvage ça fonctionne comme ça? Ouais. Gros débile, ça fonctionne comme ça. Oui, ouais, volant aussi ça fonctionne, mais je pense pas qu'Animal Sauvage sort les zones. Je sais pas. Les gars, le plus simple c'est que tu testes de déplacer le. Enfin, tu simules le mouvement et tu regardes si tu as une récupération. Il y a un gars là. Ouais, t'es le gars KO, mais si t'es le gars KO ou juste le loup, tu vas directement à la différence. Bref, regarde prends ton Saurus qui est au corps à corps avec le Minotaur. Et essaye de le faire comme. Ouais, il a toujours sa zone d'attaque. Il a toujours sa zone d'attaque. Putain, c'est dur comme situation là. Fichtre. Si vous nous regardez sur Cabal Vision, vous attendez sans doute un commentaire plein de mordants. Mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est... Proch. Il y a un Elmar, bien sûr. C'est moi ou... T'as moins de souris, je suis normal. C'est parce que... T'as des sur 4 souris, il y en a un qui est KO. Il y en a un qui est KO. Ok. Le Croxy comme Big Guy est quand même assez dangereux hein, quand on y pense. C'est un bon Big Guy. Mais en fait, c'est le truc qui l'en rend très dangereux, je trouve, c'est sa queue. Oui. Sa queue fait que tu peux engluer des le mecs. T'as le skin qui est à côté de ton. Oula, est-ce que t'es sûr d'avoir choisi les bons mots, Sven? Toujours. Le skink qui est... Ça veut pas dire que je veux pas les regretter par après, mais... Je fais toujours les bons mots. Non, mais je sais que t'es un furry dans le fond de toi. Bah là, par contre, je pense que t'es foutu bien toi. Ouais, non, c'est chaud. T'as le skink qui est à côté de ton bikini. Il veut d'abord libérer ce skink. Le skink qui est au cac. Le skink qui est au cac avec le big guy, il peut faire beaucoup de... Ça, c'était de l'arme de destruction massive. C'est vrai.
peut ouais. éventuellement aller là. Ouais, j'avoue, hein, ça se tente. Et au moins comme ça. T'inquiète pas, mais t'es plutôt au moins au cac. Et là, si tu essaies de blitzer avec ton Saurus, qui est au contact du Minotaur, prends un peu genre les GT histoire de voir si c'est faisable. Non. C'est un dé d'attaque. Non. Avec ton Saurus sur le gars qui est le ballon. Ah. Non, il c'est 33, ouais, c'est chaud. D'agilité. Ouais, mais je voulais voir justement à savoir à quel point c'était faisable ou option pas, quoi. Non, c'est pas faisable. C'est duel marine. Les souris, c'est pas du tout fait pour tout est dans l'intimidation. C'était une de mes spécialités quand je jouais encore. On joue encore pour ça. Ah, sinon, t'aurais pu taper ton skink à côté du Minotaur, comme si t'aurais pu taper le Minotaur avec deux au lieu de un. Si tu voulais le taper. Ouais, mais j'ai pas envie qu'après le Minotaur puisse écraser mon skink sans... C'est un... Ça c'était risqué, mais c'était bien joué. Rester ou poursuivre? Je dirais plutôt rester pour qu'on ait comme ça... Ah, par contre, tu vas le libérer, hein. Dans ce cas, il pourra blitzer... Poursuivre. Ok. Justement, le Minotaur, enfin, de toute façon, il est sonné. Mais le Minotaur a bête sauvage, ce qui fait qu'il doit relancer, il doit faire du 5 ah. s'il veut simplement se déplacer. Ouais, tu vois, c'est que risqué. Ça le force aussi à claquer son blitz, tu vois. Et avec le Minotaur, un de force en plus ou moins, ça change rien du tout, hein. C'est déjà. Ouais, mais son Kaio, tu vois, il était du Kaio était égalité avec l'autre story, t'es pas forcément perdant, tu vois. Ouais, là, pas de bol, Lucas, c'est fait stat, mais bon. C'est bon, prochain tour, il y a 3 skins. Prochain tour, il y a 3 skins autour de lui, donc c'est bon. Le mec va se faire violer par le manque de skins dans un coin. Ça va être beau. C'était pas beau à voir. Tout beau. Ajoute un. Genre un skink qui sera encore plus fragile que d'autres skinks. C'est ça, c'est tout le tournoi, c'est ça. Ouais, c'est bien maintenant, c'est jusqu'à mort du personnage, quoi. Oui. Littéralement. Ok. Ou ouais, ça c'est une pression. Il s'est déboîté l'épaule, ça l'a fragilisé. Non, là c'est le genou, là c'est le genou. On peut pas te relever ton gars qui était au contact du Kaikao. Alors, on va faire Rockstone. D'abord, déplacement. Les mouvements aussi. Genre, ramène tous tes skinks autour du gars. Alors, lui, il va là. Et ouais. Si tu blitz, je pense que t'as 3 skinks contre. Ouais, ça se tente. Ouais. Il faut juste prier sur les... Oh putain. Non, t'es plus rentre. Poursuivre. Justement. C'est que t'as 2 zones de texte sur lui, en fait. Oui, mais là aussi, il doit faire plus de mouvements pour... En fait, t'aurais dû le pousser vers le... entre et tout skink. Comme ça, t'aurais eu 3 mecs autour de lui. Fais gaffe, il y a du chaos. Ça change pas, ça change rien à ce point-là. 2 ou 3, ça change pas. Ça, il a pas beaucoup de chance de s'écarter de ce qu'il y a là quand même. Écoute, avec l'IA. C'est l'IA. Ouais, ça, c'est l'IA, faut pas. Il va le tenter. L'IA est cute. Par contre, la tour souris, c'est mieux, peut taper le Kaikao si tu veux. Ah oui, c'est du. Ah oui, c'est. Non, le Kaikao, pas le mec à terre. Oui. Ouais, voilà. T'as pas de chien. Et tu peux enchaîner avec le Crocti. Ah ouais, pour sûr. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. J'essaie de jouer d'abord les souris sur le Crocti quand même parce que. Ça change rien. Ouais, ça change rien parce qu'il a plus de rôle. Ça c'est bien parce que ça dire que les deux qui sont que le Crocti ne pourront pas bouger. Ouais, tant pis. Si, maintenant ils peuvent. Ah putain, la poisse. C'est pour ça que j'ai pas les piquets. Les piquets ne sont pas forcément fiables. Par contre, un Slayer est très doué pour buter les piquets.
Par contre, moi j'en ai 6, de... je vais pas en avoir jusqu'à 6 de Big Guy. Ouais, normalement, quand t'as plus de Knoblar, pratiquement t'as perdu la partie. Hein. Imagine que c'est ce qu'il dirait s'il pouvait parler. Ça, c'est toutes les teams avec gros Big Guy, ça. Un petit somme, enfin, avec plusieurs et il Big nous reviendra peut-être ah, mais tout à l'heure. Ogre, quoi. Mais Ogre, c'est simple, si Ogre, s'il perd tous ses stuffings, il a perdu. Bah, l'homme lézard, s'il perd tous ses stuffings, il a perdu aussi. Hein. Ouais, bah, ouais, mais il faut, au niveau AG, c'est plus facile hein, avec un Strolus qu'avec un Ogre, hein, je pense. C'est que tu peux l'utiliser aussi bien comme ton que comme comme projectile. Ah t'as réussi à gérer combien le gars? Je sais pas. À quelques secondes de la mi-temps, le match commence à devenir intéressant. Je sais pas. J'avoue que Fuel du Chaos ou Alias, c'était peut-être pas la meilleure idée qui soit. Je pense qu'il faut mieux qu'il apprend à gérer Chaos qu'à Skaven. Ah, Skaven, il y a encore. C'est que je pense qu'il est plus fier que Kaon. Parce que Kaon, il peut vraiment foutre des bonnes grosses stats. Moi, je pense qu'il aurait eu beaucoup de chance que Skaven, mais bon. Surtout avec comme les arts. Ouais, mais les Skaven, ils auraient pas tapé ce qu'ils ont écrit, tu vois. L'une des deux équipes a déjà plusieurs joueurs de moins. Ils ont un joueur de moins. Rien d'irrattrapable. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. C'est chiant, ton Taurus est resté à terre. Bon, t'auras une chance de le relever à la mi-temps, quoi. Ouais. Run, relance. Non, non, relance en plus. Ok. À ce point-là, tu fais du Anne-Marie et tu fais des passes avec tes skinks. C'est possible, en fait. C'est possible de marquer en deux tours avec tes skinks. Je sens que ça va me plaire. Ce joueur, pas cet attaquant, il transpire la faiblesse. Ouf. Ouais, plus impossible. Et tu veux essayer de one turn? Pas un tour, mais deux, quoi. Garde ton rôle, du coup, pour le ballon. Ouais. Catch. Ouais. Tiens, ça fait penser le temps que ce serait bien. S'il arrive à le rattraper pour faire une passe, ça serait bien. J'attaque ou je ramasse le ballon en premier? Ah, je trouve que c'est ramener le ballon le plus en avant possible. Ouais. Il ramasse le ballon sans difficulté. Oh, nice. Et colle-le à ton autre skink, ouais. Mais ne fais pas de transmission. Non, pas de transmission. Non. Parce que comme ça, en fait, il va être obligé de jouer ça avec son hôtel. Je pense qu'il va être très, très, très mal en point. Je fais pas la relance. Non, hein. Ne fais pas la relance. Non, j'accepte le. Je garde la relance pour une passe. Oh, tiens, sinon, t'en es où dans ton TFE? Mon TFE? Ouais. Depuis le début des grandes vacances, ça avance un peu plus lentement. Mais tu penses que tu auras terminé pour septembre? Pour octobre, oui. Ça, tiens, d'ailleurs, c'est nouvelle, ton promoteur, parce que pour Boris, que ce soit Arnaud ou moi, on n'a pas réussi à mettre la main dessus, quoi. J'aime pas vraiment la manière dont il se positionne. Pauvre petit skin. Ah, c'est non, oublie pas la première leçon de Skaven. En dernier recours, toi tu cours. Esquiver, il faut savoir courir. C'est bien, en plus il est sonné, je peux juste le contourner. De toute façon, c'est le dernier tour, hein. Tu dois faire quelque chose. Alors là, attends, écoute ce que je dis. Le seul qui peut arriver au bout, c'est celui-là. Non. Oui, c'est ça. Mais ce que tu dois faire, c'est avec le Croxigore, avec ton Saurus, tu vas taper lui. Comme ça, ton skink va se libérer, se mettre sur la ligne de touche, et puis tu fais une passe avec l'autre après avoir couru le plus en avant possible. Je
sais pas, tu peux faire juste une passe. Je fais une passe et puis je couvre, non? Non, parce que si. Ne faut pas oublier un truc, la transmission est un risque. Ah bah la passe est encore un plus gros risque avec des minutes. Mais là, c'est une passe courte. Une passe courte, c'est plus facile. Non. Il est entouré par deux autres joueurs, donc tu as des malus. Ah, oui. Donc tu dois. Tu le tapes sur la ligne de touchdown et avec le skink tu rapproches le plus possible et tu fais une passe. Ok. Ouais. C'est ton seul moyen de game. Ah, je peux pas passer. Bouge ton Soris. Ah oui. Vas-y, écarte-le. Ça, il a une. Voilà. Tu pouvais le mettre au tech de quelqu'un, mais c'est pas grave. Non, je peux toujours. Voilà. Et puis, tu tapes sur la ligne de fond. Voilà. Ouf. Ok, et maintenant, avec le skink, tu te rapproches le plus possible et tu fais une passe. Ouais, prends pas le risque de faire un bug faux. Et en plus, là, c'est... Là, la passe. J'ai toujours un reroll, mais 30%. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Ah, non. J'ai en train d'un échec. Yes. Oh. Yes! Yes! Je... Ne jamais sous-estimer le pass. Mais oui, c'est ce que j'ai toujours. Hein. Les passes sont toujours interdits. Tu t'en fous. Dans le pire des cas, t'as rien qui se passe. T'as vraiment rien à perdre pour le dernier tour. Parfois, même une passe ratée, ça peut permettre d'envoyer la balle à l'autre bout du terrain au moins. Ouais, c'est ça. Et puis des fois tu étais El Paris sur quelque part qui fait voilà comme si tu étais dans le minotaur qui passe au centre. Mec, ça franchement j'ai toujours pas de gérer. Putain, tu veux trop l'air truc qui est crucial. La défense. Tu t'en fous, de toute façon c'est uniquement son tour et après c'est mi-temps. Donc tout ça, ça te verra. Oui, c'est vrai. Le plus drôle dans ce genre de situation, c'est avec les Skaven. Si tu veux, genre, quand il y a un truc genre un tour supplémentaire. Ça te montre quand même que tu as marqué en deux tours. Hein. Donc, c'était chaud, c'était risqué, mais tu as marqué en deux tours. C'est juste pour. Tu te souviens, c'est très important ça. De jamais sous-estimer ce truc. Ouais. Surtout les skins qui est généralement. Un joueur préfère se battre entouré. Ah, mais le plus drôle dans ce genre de situation, c'est les skins avec les putains de renards qui ont une full agi, qui peuvent mourir avec esquive et tout. Ils sont super dangereux, quoi, à ce niveau-là. Par contre, il a blitz juste pour avoir le bonus d'attaque, parce que là maintenant il fait plus rien. Des folies à faire n'importe quoi. Cherche pas, faut passer, on a vu Lien qui a eu le ballon en main, qui a pu le marquer, qui a juste oublié de marquer. Voilà. Genre littéralement oublié quoi. Ah, après, ça fait du sens parce que ouais, juste gars, après c'est la mi-temps, donc autant lui avoir un bonus de force et essayer de me blesser. Ouais, non, là, c'est sur un bon gueuleton. Ouais, faut passer, c'est sûr, le territoire de la jeune. Ça fait strictement aucun putain de sens. Ah, parfait! Il a le ballon bien en main. Oh, putain, je crois que je m'occupe de la bibliothèque. J'ai trop de trucs à trier. Deux, trois, quatre séries. Astring. Allez, on y retourne, les gars. C'est reparti pour le massacre. Bon. Ils auraient intérêt à remplacer ce joueur tant que c'est encore faisable. Le match est dans l'impasse. C'est ce coup de pied qui pourrait débloquer la situation, Bob. Tout juste, Kim. Il est temps qu'une des équipes se décide à prendre les rênes du match. Là, au moins, personne ne se plaindra de la météo. Pas mal. Très loin. Ouais, il est loin et bien au milieu, donc. Ouais. Oh ouais, non, je devrais faire le truc, c'est putain. Les.
La question c'est, va-t-il sortir la moissonneuse batteuse? Oh, wow. Il a récupéré le ballon. Hip hip hip, hourra. Ah ouais. Tu te rappelles que je dis que j'avais beaucoup de livres à trier dans la bibliothèque? Ça ressemble curieusement à un vieux spectacle. J'en ai 1200. Et ça, attention, 1200, c'est que les livres qui n'étaient pas dans ce dossier. J'ai encore tous les livres qui étaient dans le dossier que je vais encore sortir pour être trier. Tu comprends pourquoi j'ai toutes les monstrueuses de m'occuper? Ouais. Putain, pour l'automatique. Vas-y, pète-lui les cornes. Moi, t'as pas trop magicien avec le suivant. Il reste immobile avec son filet de bave. Bon, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Continue à taper. J'ai pas dit, il te reste un blitz. Hein. Ouais, bah du coup, autant l'utiliser ici. Alors, c'est qui le temple Morgan Heights? Je pense que je ferai mon match demain. De toute façon, le seul qui compte, c'est celui de Vizi, enfin celui de Sven et. Ouais, la revanche de Tristan, ouais. Ce joueur se rapproche d'un coéquipier! Je le ferai demain dans l'après-midi. Il ferait mieux de recruter des joueurs apprivoisés. Oh putain, le bonheur. Le bonheur, oui, parce qu'en fait j'ai oublié de préciser quand je parle de tri. Et bien, la bibliothèque, c'est avec un logiciel, ouvrir les métadonnées, aller checker que toutes les métadonnées sont correctes. C'est-à-dire que dans une série entière, je vais m'assurer que par exemple les époux même nom d'auteur, mais aussi dans la façon dont il est enregistré, parce que t'as toujours l'auteur qui est affiché et puis t'as l'auteur qui est pour la recherche, tu vois. Je vais aussi checker que c'est une bonne série, que le nom de la série est identique, que qu'il est bien indexé dans la série, excellent. Etc. Très bien, excellent. C'est le kick. Merci. Ah, ok. Non, c'est que bon, après les notifications Discord, elles sont désactivées pour moi. Oh putain, dis-moi comment on fait. Vas-y. De quoi? Encore c'est le volant? Discord là, sur les vocaux. Bon, enfin. En fait, je sais pas si tu vois, mais ma pastille elle est violette. On dirait qu'il bouge. Ah non, pardon. Okay, ah, il a mais c'est violet pour la couleur Twitch. Ouais, c'est
Et donc ouais, quand t'es en mode streamer, tu reçois, tu as plus aucune notification, ah, même quand t'as quelqu'un qui rentre ou qui sort de ton salon. Ah, ça je sais pas. Nice. C'est un rock, un cap, que dis-je, une péninsule. C'est qui me... Ah non. Ouais, c'est lui. Il peut continuer. Ouais. Tes skins peuvent t'assister au cas où, hein, quand tu veux faire des blocs. Ils servent aussi ouais. à ça. Hein. Tu peux les ramener dans ton zone d'attaque pour avoir un double dé au lieu d'avoir un dé, tu vois. Ouais, là, par exemple, t'auras deux dés du coup sur le milieu. Sur le... Ah, les joueurs viennent au soutien de leur coéquipier. C'est aussi à ça qu'ils servent. Ouais. Ce sont des sup. Toujours de les protéger, ce sont quoi. Des supports. Genre là, en fait, tu le protèges pas en fait en envoyant. C'est ça. On le force à reculer. Non, mais j'ai des bonnes du ballon. Oui. Ok. Mais au prochain tour, il peut taper ton skin par exemple. Tu vois. Ça peut être risqué. Ouais, enfin, il peut le taper, mais avec difficulté. Ouais. Je vais déplacer celui-là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui savent faire des méthodes correctes. Tu as pas de groupe, que tu as pas après tout le vidéo. Moi, je veux quand même, c'est une série où littéralement tu as genre 10 de livres et tous les livres, il y en a un seul qui est de méthode de données correcte ou cohérente. Tu vois, genre une fois, tu avais le nom de l'auteur qui était écrit avec une majuscule, puis l'autre pas avec une majuscule, etc. Ou la série était écrite différemment, ou qui était coupée, ou tout. Tout. Et les 10, j'ai dû refaire les uns après les autres pour assurer que tous étaient de la même. J'ai pété du rythme. Nous allons assister à un grand moment. Ah non, mais là, franchement, t'as envie de me foutre la tête. Il n'a aucune envie de laisser tranquille. Et encore, vous l'avez pas vu lorsqu'il est vraiment énervé. C'est un roc, un cap, que dis-je, une péninsule. J'adore le skin qui est en train de regarder le son pote le Saurus au sol. Mm-hmm. Non mais t'es vraiment une grosse merde hein. Ouais, c'est exactement ça qu'il se dit en plus. Alors... Mais c'est normal que trois fois d'affilée il fait cerf volant celui-là. Trois fois d'affilée. Non mais là c'est pas sur ça. Là c'est pas sur cerf volant. Oh mais non mais solitaire. Mais bon bah les deux au sol hein. Oh. Ouais, c'est horrible. Non. Il y a pas une fois où dans ce sous-talpité qui est carrément mort, non ? Par exemple, vraiment rappeler une histoire comme ça. Oui, il arrive parfois que les big guys, ils se suicident comme ça. Le mieux, c'est de toujours jouer le big guy en dernier dans tous tes moves. Mais bon, ça c'est... Des fois, tu peux pas le faire, mais le mieux, c'est de toujours le gars en dernier. C'était pour le déplacer au centre. Ouais, voilà. Parce qu'il aurait entouré 4 ennemis en se déplaçant ici. Nice. La frénésie. Ok, au moins ça rééquilibre. La frénésie, mon gars. La frénésie. Ouais. Ah, la frénésie, c'est super dangereux hein, si tu fais pas gaffe. Ouais, surtout en pleine mêlée. Non, pire, il y a pire. Un mec qui se dit ouais, je suis pauvre du terrain. Avec frénésie, si tu le places correctement, mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait contre Tristan, tu peux le foutre dehors. Ouais. Et c'est ultra frustrant parce que tu peux rien faire en fait. C'est frustrant parce que c'est très dur, c'est le truc très facilement. Et entre temps, bah, tu te retrouves avec quelqu'un au moins, quoi. C'est ça. Donc, bah voilà, t'es niqué. Hein.
Il y a deux, voilà, ces deux-là qui peuvent se déplacer. T'as claqué ton blitz ? Non, non. Essaye de coucher, essaye de voir pour coucher le chaos là, le guerrier du chaos. Ouais. J'y réfléchis. Vas-y mon gars, lance l'œil. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ce joueur, enfin cet attaquant, il transpire la faiblesse. Voilà. Toi ici, ils sont un peu bloqués. Ouais, protège ton skink. Ne poursuis pas. Oh putain! Essaye de bloquer l'avancée de l'homme bête là si tu peux. Voilà. Voilà ici. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Les deux sont très bien. Lui. Ça fait que t'es là. Ouh, j'ai comme l'impression. Le 1D, c'est très risqué. Non, roll pas. Il était talonné. Je peux garder le roll. De toute façon, je pouvais pas faire grand chose d'autre ce tour-ci. De mon temps, Jim, ça serait pas arrivé. Ouais, les 1D, généralement, il faut pas trop les faire, quoi. Surtout quand ton personnage n'a pas bloc, ouais. N'a pas. Ouais, c'est sûr. Par exemple, avec les nains, j'avais fait le match, il y a des moments où je pouvais le faire. Ouah, putain, ça c'est le piège foireux de la dernière bibliothèque. Un mec où dans le nom de la série, en fait, donc c'est un nom assez de la série. Et les gars, ou bien S à un moment. Ah. Vas-y, donc quand tu tires le truc, c'est très facile à louper. Putain, j'ai fait le faire voir. Ouais. Au revoir, on t'aimait. Tu resteras dans nos cœurs. Ah non, ça va. Ouais, ça va être très compliqué là en vrai. T'as un sur utilisé pour derrière, mais il va pas savoir atteindre, je pense. Turnover. Nice. Tu vois, Lia, elle joue bien quand même. Hein. Mm-hmm. Elle accepte le turnover au lieu de faire un roll. Oh, non. Ouais. Lui, il peut faire. Relève ton sorus. Peut-être essaye de relever son sorus. Mm-hmm. Et ton croxy. Bref, relève tes gars. Ah oui. Ouais. Est-ce que. Ouais, non, lui il peut pas. L'un des sauces que tu. Celui qui est tout seul. Peut-être le rapprocher. Non, il s'est pas rapproché quelqu'un. Ou, ouais. Ou alors arriver venir en renfort contre les deux chèvres là. Ouais. C'est de là. Hein. Ouais. Ça paraît débile comme ça, mais. Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Ah, lui il peut pas partir, il est bloqué. Tu pourras peut-être tenter un dé sur l'homme bête avec tes doubles skins là. Il y en a un que tu ramènes avec l'autre tu blitz quoi. Mais bon, ce sera un dé quoi. Je pense par ça pour avoir la force du petit skin. Ouais. C'est le moment de vérité. Ouais, c'est bien joué. Tu le déplaces. Ouais, je sais pas. Restez, il sera déjà taclé par le. Ouais, par lui. Le guy donc. Alors, le mieux c'est de blitz avec lui et d'amener l'autre en fait. Ouais. Celui qui veut pas passer pour un con, il lui faut le ballon. Tape-le dans l'autre sens. Ouais. Comme ça, tu le pousses vers son camp en fait. Ah, tu t'as plus qu'à prier. La défense met le turbo. Ah, fake. Ouais, c'est bon quand même.
poursuit pas, moi je pense pas qu'il faut poursuivre. Mais... Bon blocage défensif. Tu peux peut-être replacer le skink en ouais, face, ouais. En face, mais ouais, pas au cac. Mais pas au cac, ouais. Ouais. Là, non, non. Non. Il est là juste à gauche, ouais. Non. Ouais, là c'est Kazar, ouais. Tu te rappelles l'exemple que je donnais à une dizaine de livres, le gars a pas foutu, est pas foutu d'en foutre deux dans l'identique. Ouais. Là ça va, il y en a que 7 qui sont dans ce qu'elle aime. Ah. Allez, on pousse encore. Je n'ai pas d'envie de meurtre. Non, ouais, c'est... Bah, c'est tout, hein. C'est tout ce qui s'est joué. Il ne faut pas, ouais. Pas jouer avec lui. C'est un skill qui se relève au prochain tour, mais... Ça pourrait être toujours compliqué là parce qu'il a un gagné KO pour courir quoi. Mais bon, on pourra pas marquer. C'est bien, j'ai esquive. Bon geste. Comme ça, le ballon est moins menacé. Ah. Il fait de la merde là en vrai. La remise en jeu de l'autre côté. Nice. Ouais, c'est vrai que toutes ces unités sont de ce côté. C'est... Tristan, c'était pas avec toi qu'on avait eu la couille où deux fois le ballon était sorti du terrain et deux fois il était parti à l'autre bout du terrain. C'est pas avec toi, c'était pas contre toi que j'ai eu ça. Que lui il peut bouger. De toutes les actions que je veux faire, c'est la moins risquée. Tristan donc, est mort. Non, moi je pense que c'est... Ouais, ça va, c'est vrai. C'était ok. C'était comme les double D là, je pense. Ouais. Je crois que Tristan est mort. Oui, je pense aussi. RIP, petit Tristan. Bon, bah, du coup, on marie son trap à qui? Pas avec moi, j'ai eu trop de trucs chelous dans le GTA. Je suis pas sûr que mon mental pourrait survivre à un truc supplémentaire. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Il y a de ces trucs dans le JDR quand même. Hein. Bon, je lirai tout ce que vous avez mis sur Discord quand j'aurai fini ce match. Lui, je le ferais bien courir par le milieu, genre comme ça. Moi, je me servirais de lui pour protéger le ballon et le porteur du ballon. Là. Ouais. Ouais. Tu le formes, ouais, là c'est parfait, moi je pense. Ça, c'est tout le milieu là, sans faire de wing for it. Donc, ouais. Ouais, les autres. Peut-être des blocs à faire avant. Pas vraiment. Bah, ça les c'est. Coups de figure, là, ouais, tu peux amener le coup de figure à gauche là. Tu vas manger après gauche, après l'autre. Là. Il fait maintenant le voir les peignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Vas-y ben. Ouais. T'as un souris sur une bête sur un homme bête là mais c'est pas grave, c'est bien aussi ça, vas-y quoi. T'étais pas obligé de le déplacer par contre. Bien joué, le ballon est à lui. Non moi je pense que je l'aurais regardé à l'endroit où il était. Parce que là il est plus couvert par ton autre fille. Là il est à découvert. Ouais. Donc là, il faut absolument que tu casses les coups. Bon, après, le Minotaur devra réussir son jet d'esquive. Ouais, s'il veut, tac. Il va jamais réussir son jet d'esquive. J'ai quand même réussi à esquiver une fois avec une bête de Nurgle. Ouais, bon, Charles, c'est que la situation est tellement maladique que tu fais ça, tu vois. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les Hail Mary, tu vois. C'est tellement la merde que t'es là, bon, tant pis, je trompe. C'est tellement la merde, quoi. Ah, oui, voilà. De toute façon, on se souviendra tous de l'enchaînement d'esquive à je ne sais combien de pourcents du loup-garou. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ah, je me rappelle surtout. C'était Guillaume. C'était qu'au temps moment où tu t'as deux de marquer, j'ai enfin retourné le ballon et j'ai genre un gutter runner qui est venu, qui a fait un dauntless sur ton porte-ballon qui a fait tomber, qui a récupéré le ballon et qui a fait une passe et qui a envoyé. Ouais. C'était bien dégueulasse. Ouais, très drôle. Elle fonctionne, mais. Ah ouais, ça c'est la prise de risque tout à l'heure. Ouais, c'est parce que ça tu marquais, donc. Comme dit, c'est le bon de tenter le high marry dans ce genre de cas. C'est vraiment claquer toutes tes rerolls que t'as gardé en réserve.
Ok, bah je peux encore la marquer, hein. Je peux clairement encore la marquer. Ouais, faut relever et Bah faut courir avec les skins. Tout ouais. Relever et courir avec les skins. Ouais, c'est ça. Jean-Louis peut aller se relever et ouais, prendre ça. Faut même plus le beat. Voilà les copains. Oui, bah je pourrais peut-être utiliser le beat. Autre chose. Ouais, c'est bien. Faut le protéger maintenant. Ouais, ça c'est une bonne idée, comme ça t'auras un de force en plus sur le chien. Ouais, tu te mets... ouais, tu peux te mettre là. Avec ton Saurus qui est proche des deux skins. Tu peux peut-être enclencher un blitz. Pour faire quoi? Enclencher un blitz pour frapper le gars qui est en face de toi. Pour ensuite faire poursuivre. Pour ensuite le redéplacer. Ouais, mais le déplacer une fois ça suffit. Non, mais c'est pour redéplacer après ton Saurus pour qu'il soit dans une meilleure position. Ouais. Ok. Non, mais là il faut blitz avant. Oui, oui. L'attaquant bénéficie de soutien. Yes. Très bien. Ça libère le chaos, hein, n'empêche. Ah, Tristan, t'es de retour. Non, le. Non, le chaos n'est pas tout à fait libéré, hein. Y'a encore un mec qui peut le tacler. J'étais toujours là, je regardais, j'étais juste mute. Okay. Et maintenant, non, voilà. Et tu te mets dans l'autre côté. Et tu te mets en sorte à protéger le porteur du ballon. À protéger porteur du ballon, pas à protéger le cadavre d'ennemi. Encore recule, encore en diagonale. Non. Non. Recule. Non, recule non. Vers le sud du terrain. On a dit reculer. Derrière le ski, derrière le premier ski. Reculer. Non. Oui. Utiliser des points cardinaux au nord là. De ça. Un au sud, un au nord. Nord, c'est par là. Non. Un au sud de tout. Voilà, là. Ah, là. Ok. Après, voilà. C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va s'utiliser le ballon. Mais pour moi, le nord, c'est là. Pour moi. Oui, mais c'était un au nord comparé à, au point où tu t'es... Oui. Ah non, un dé c'est ouf. C'est pas fou. Quelqu'un de plus petit. Ouais, donc ça c'est bien. Y'a rien de meilleur, Jim. Ah putain, j'arrive pas à trouver la situation de Camelot. Que le nord ça dépend de là où ce que tu. Ah oui. Que tu... Alors là, il y a une putain de référence. Ouais, bah c'est Perceval qui dit ça. Ouais, mais j'arrive pas à le trouver. Ah, sur les trucs de gif. Pour aller marquer le guerrier du chaos là qui casse les couilles. Le nord suivant dans quel. Suivant de quel, de quel côté on regarde, ça change ton sens. Ouais, voilà ça. Oh putain, j'ai failli me faire avoir là pour le. Tu peux le mettre là, c'est ouais, c'est très bien. Ok, il garde les chèvres. Et là, le skin, tu le déplaces pour le mettre devant le dégât du chaos. Ouais, là, parfaitement. C'est exactement ce qu'il fait. Oui. Voilà. Allez, le KitKat. Le KitKat. Pardon ? C'est bon, je pense que tu l'as step déjà. Oui, j'y me reste encore un reroll. Par contre, j'espère qu'il va pas mourir. Non, il a skippé. Ah oui, c'est vrai. Dans l'intimidation. Oui, c'était une de mes spécialités quand je jouais encore. Comme le lapin de la ruisselle. Ce joueur dure vraiment, vraiment longtemps. Ça les fesses. Mais que quelqu'un l'arrête. Non, je plaisante. C'est le même, c'est exactement le même qui se fait attaquer depuis le premier tour par le centaure. On a tous ça. Alors moi je te recommande d'aller mettre directement ce truc dedans. Ouais, tu cherche pas à... Faire le malin. Faire des plans, tu peux gagner, tu gagnes pas. Et c'est les arnaques qui a marqué. Non mais tout le monde sait que la fraude récompense mieux. Oui. Tu valides le match, Dim? Comment? Tu valides le match? Ouais. Je vais le valider. Voilà. Les armadas.
Et maintenant, on et en... t'as un Saurus qui était MVP. Et ça, c'est génial. Ouais, il faudra juste qu'il fasse une blessure au prochain match et il pourra level up. Ok. Des arnaques, des arnaques. Oui, ça c'était. C'était c'est un bon premier match. C'est hein. Un qui a passé. Voilà. T'as passé une des équipes les plus dures, c'est bien. Ouais. Non, mais en vrai le chaos, on peut avoir facilement peur du chaos en début de compète. Mais en vrai, à 1000 TV, c'est gérable. Vu comme ils ont aucune compétence, à part les cornes. Ouais. Par contre, en fin de compète, Ah purée, s'ils ont bien pex, oh mon dieu. Bah 2000 TV, c'est l'équipe. J'ai toujours en tête ce guerrier du chaos qui a eu un plus 1 en agi et qui avait esquive. Ah bah lui, il allait où il voulait pour péter la gueule de qui il voulait. Quand on voit le pourcentage de possession de la balle et de l'occupation du terrain, je suis à un tiers de ce qu'a fait l'autre. Ouais, mais t'as gagné, donc c'est bon. Oui. Ouais, je vous laisse, à plus. À plus. J'y vais voilà. Aussi. Et voilà, donc du coup, premier match de terminé. Beau match. Demain, bonne soirée. Demain, ce seront les très gros jambons à host qui affronteront les Amazones. Puis ensuite, on verra. Il y a plus personne. J'ai gagné 40 pièces. Ouais. Ouais, je stoppe le stream là.